and kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want Bonjour tout le monde. Bon, je parle pas très fort parce que Nolan est encore en train de dormir. Il devrait pas tarder à se réveiller, je pense qu'il va m'entendre. On est mercredi, il est 9h30. Je suis réveillée parce que je suis réveillée depuis plus tôt que ça. Ça fait 2 heures que je suis réveillée parce que Chouchou a raté son réveil, du coup il s'est levé en sursaut et je l'ai aidé à se préparer. Il a mis, je crois, 4 minutes, sans décoller, mais 4 minutes pour se préparer. Bon, après, il est toujours, a toujours préparé ses affaires la veille pour le lendemain. Donc là, il avait juste à passer à la salle de bain, enfiler son truc et basta, quoi. Donc, Chouchou est arrivé plus ou moins en retard, si j'ai bien compris, mais il a réussi à rattraper son retard quand même. Il n'était pas non plus prêt à être dans son camion, mais il ne pas loin d'être dans son camion, je crois. Donc voilà, il est parti, je crois, en 4-5 minutes chrono. Je lui ai préparé son petit déjeuner en 2-2, enfin, je lui ai mis des gâteaux dans son sac et tout. Enfin, bref, la totale, c'était un petit peu la galère pour Chouchou. La panique surtout. Aujourd'hui, j'ai une petite mission. C'est aller trouver un cadeau pour l'anniversaire de ma maman qui est demain. Alors, je vais pas la voir demain, mais je la verrai samedi. J'aimerais bien le faire assez tôt, enfin, avant samedi. De toute façon, il me reste 3 jours pour lui trouver quelque chose. J'ai aussi dans l'intention, là pendant que Nolan dort, de refaire quelques CV et lettres de motivation. J'ai trouvé un site par l'intermédiaire du Pôle emploi qui peut être pas mal, qui s'appelle La Bonne Boîte. Je sais plus exactement, enfin bref, vous tapez sur Google comme moi et vous trouverez si vous êtes à la recherche de boulot. En gros, vous donnez le nom de l'emploi que vous cherchez, du métier que vous cherchez et la ville dans laquelle vous cherchez. Et ça vous trouve en gros toutes les boîtes qui n'ont pas spécialement eu besoin de trouver de Pôle emploi pour trouver des employés. Je sais pas trop ce que ça va donner parce que c'est un. J'ai vu ça sur mon profil LinkedIn, je sais jamais comment on dit. Et bah voilà, je me suis dit que au mieux ça me trouvait du boulot, au pire c'est pas grave, ça ne sert pas à grand chose. Mais voilà, là j'ai trouvé que l'opportunité était pas mal et que le site était plutôt bien fait. Donc j'ai répertorié vite fait comme ça à l'œil, enfin sans noter puisque j'étais dans mon lit jusqu'à présent, toutes les boîtes qui pouvaient être susceptibles de me plaire et dans lesquelles je pourrais être susceptible d'être prise pour autre chose. Et du coup bah voilà, je vais préparer mes lettres de motivation pendant que Nolan dort. Je vais essayer de faire des lettres de motivation un peu plus ciblées, histoire qu'il voie que j'ai vraiment envie de rentrer dans cette boîte et pas dans une autre. Et voilà quoi, tout simplement, ça va être mon petit programme de la matinée. Et de cet après-midi, du coup, je pense qu'on ira chercher un petit cadeau ou voir, ou peut-être que Nolan fera sa petite carte pour l'anniversaire de sa mamie. Cet après-midi, on verra avec tout ce que j'ai en matériel de carte que j'ai pas sorti depuis des lustres. Peut-être qu'il trouvera son bonheur. Donc voilà. Pour le reste, eh bien, je vous laisse découvrir avec moi le reste de la journée. Alors lui, déjà, il est en mode chasseur. Non, pas trop. En mode câlin plutôt. T'es en mode câlin aujourd'hui ? Bon, ben, je vois que je vais être encore obligée d'allumer les lumières. Voilà, c'est déjà quand même un peu mieux. Voilà, allez, let's go. Tu dis bonjour ? Bonjour. Snobinard, j'ai voulu le filmer tout à l'heure, il m'a tourné le dos. Il vous montrait ses fesses. Ouais, c'est ça, ouais. Les styles. C'est ça, ouais, il en a rien à péter. Je vais peut-être me prendre un petit déjeuner quand même. Il reste des meringues hier soir, mais je vais les laisser pour Nono. Et oh, j'avais pas vu. Pas terrible. Bah, direct. Bon, ça y est, je suis prête. Devant mon ordi, mon petit donut, mon petit jus de fruits. Et vous remarquerez, d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà remarqué, peut-être, je suis très très basse dans mon siège. Parce que j'ai mon siège, en fait, à chaque fois que je le remonte, il redescend. Du coup, bah oui, je sais, j'ai compris, je suis trop lourde. Mais du coup, je mets toujours au maximum, ce qui fait que je suis vraiment un petit peu basse. J'aimerais bien en trouver un plus grand, enfin un qui ne redescend pas tout seul. Mais ça coûte 80 euros, j'ai pas envie de mettre 80 euros dans une chaise. Donc j'attends toujours de voir les petites offres qu'il y a sur Le Bon Coin et tout ça. Le Bon Coin, j'ai aussi sur le marketplace de Facebook et tout. J'en avais trouvé une qui était pas très très chère, mais qui pour moi reste encore un petit peu chère. Et ben voilà, tant pis, c'est pas grave, j'attends l'occasion. En attendant, je suis avec celle-ci, mais c'est vrai que j'ai toujours du mal, je suis toujours affalée dans mon siège parce que ben, très clairement, il est très très bas. Voilà, allez go. C'est parti pour mes lettres de motivation et tout et tout. Thank you.
Bon les copines, je vous reprends bien plus tard puisqu'il est déjà 14h30. Nolan est là, hein, il est réveillé depuis un petit moment, on est habillé et tout, prêt à partir. J'ai mis énormément de temps à faire mes cartes d'identité, n'importe quoi, à faire mes lettres de motivation. J'ai hésité en essayant de faire... Oui, 2 secondes mon chaton, attends. En faisant plusieurs lettres de motivation à la main, j'ai hésité beaucoup à finalement les faire par ordi parce que je trouvais mon écriture pas terrible et tout. Bon, finalement j'en ai fait 5 ou 6 de manuels et j'en ai sorti d'autres du coup version ordi. En fonction, je verrai au moment de la distribution, je verrai qu'est-ce que je donne à qui. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. Demain, j'irai faire un tour dans 2-3 magasins. 2-3 magasins. 2-3. Je dis magasins, mais non, 2-3 entreprises dans lesquelles je pourrais être amenée à postuler. Enfin, en gros, je vais déposer mes CV, quoi, tout simplement, plutôt que de les envoyer par mail. Et je ferai ça demain matin parce que, comme ça, après, je suis tranquille. De toute façon, je me suis fixé un objectif, c'est que tous les matins, je sois en recherche de travail ou. Voilà, bref, quelque chose en rapport avec le boulot, histoire que je me laisse pas abattre et que je continue dans mes objectifs. Dans ces objectifs-là. Du coup je ferai ça demain matin maintenant puisque maintenant il est un petit peu 2h30 et j'en ai un peu marre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je ne sais plus. Ah oui, j'ai vu une super boîte qui fait du secrétariat médical un petit peu en télésecrétariat. C'est apparemment pas loin de chez nous. Je savais même pas qu'on avait des open space comme ça chez nous, parce que pour moi c'est toujours dans le nord de la France. C'est pour ça que très clairement je pleure de ne pas avoir ce que je rêverais d'avoir, parce que en fait si vous voulez, enfin dans les grandes lignes plus ou moins, je parle pour toi du coup Isa qui me suit aussi, en fait son boulot me fait rêver, c'est à dire que non pas forcément pour les horaires mais parce qu'elle travaille, si j'ai bien compris, dans des bureaux, enfin bref en open space, enfin en tout cas de ce que je connais de toi, j'ai compris que en gros t'avais le boulot presque idéal pour moi, sauf que tous ces boulots là, vous voyez, ça déménage dans le nord, plus loin toujours, enfin c'est jamais à côté du boulot, ou alors vraiment c'est une occasion de rêve. Et je pensais vraiment pas trouver quelque chose comme ça sur la côte basque. Et là pour le coup ça rejoindrait exactement tout ce que j'ai pu faire dans mon CV, c'est-à-dire du secrétariat à bloc, du médical à bloc, puisque bon après j'ai pas de diplôme dans le médical ni rien, mais j'ai déjà travaillé en mutuelle, donc j'ai adoré ce métier-là. Et voilà, j'ai en fait tout ça réuni fait que en fait il cherche. Il y a un poste pas loin de chez moi. Du coup demain matin c'est la première boîte que je vais faire je pense. Donc voilà. Nolan, tu voulais leur dire quelque chose. Tu veux leur dire? Regardez. C'est mon nouveau jeu et il est super cool. J'ai tué plus de gemmes en or. T'as tué quoi? Plus de gemmes en or? Oui. Non, il faut récupérer les gemmes en or. Les gemmes c'est comme des sous, c'est ça? Oui. Ouais, donc tu les as pas tués, tu les as récupérés plutôt. Hein? Non, je les ai tués. Bon bref. Ils sont ok, il est concentré dans son jeu. Il joue pas tout le temps, hein. Il vient juste de l'allumer. Il joue à Daxter, pour ceux qui connaissent, parce que j'ai cru comprendre que Crash Bandicoot c'était la base. Moi, ça me dit rien du tout. Si quelqu'un connaît Daxter, bah, apparemment c'est plus ou moins le même style. Donc voilà, celui-ci dit plein de bêtises apparemment. Enfin bref. Tout ce qu'il faut pour un petit de 6 ans, n'est-ce pas? J'aimerais pas trop que tu restes toute la journée quand même, Nono. Non mais il vole. Pour me voir, il faut que je me mette à plat comme ça ou quoi? Non, là, il rampe. Mais non, il vole. Il vole et du coup... Ouais, c'est hyper... D'accord. Bref. Ça me fatigue ces jeux de vidéo là. Bref, du coup là cet après-midi je vais essayer de m'aérer un petit peu la tête. On va aller marcher avec Nono. On va aller mettre une veste Nolan. Et on va aller marcher, on va aller faire les boutiques. J'ai pas prévu d'acheter quoi que ce soit, mais je me dis que si on peut trouver des idées pour aller pour un cadeau d'anniversaire à ma maman, ce serait plutôt cool. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Et puis on verra bien si on trouve quelque chose de bien. Sinon tant pis, hein, on rentrera. Mais au moins je me serai aéré l'esprit plutôt que de rester ici à ruminer et à pas trouver ce que je veux et à pas avancer dans mes démarches. Ce petit garçon craque. Tu craques ton slip? Non. Non, tu craques pas ton slip? Comment je peux faire pour aller sur le rocher? Voilà, ce que je déteste par-dessus tout, et je crois que Chouchou me... Enfin, c'est sûr, Chouchou me le fait aussi, c'est-à-dire que quand tu parles, t'as plutôt l'impression de parler au mur. Enfin, t'as l'impression que le mur te répondra plus vite que lui en personne. Donc, c'est un petit peu ça qui m'énerve, c'est pour ça que j'aime pas quand il y joue, mais bon. Enfin, je peux pas l'interdire de jouer à tout non plus. Enfin, en tout cas, pas à ça. Voilà, c'est de son âge, c'est comme ça. Non, pas de bon bec, je t'ai dit on met une veste et on y va. Je sais pas si vous l'avez entendu.
Bref, allez, zou, on part. Faut que je vous montre un truc avec Nolan en arrivant. En partant déjà, on a vu un petit bébé, un petit bébé oiseau. Enfin, à mon avis, il venait juste de naître. Mort, hein, désolé. Hein. Mort, n'ayons pas peur des mots. Il était mort et en fait, il y avait le nid juste au-dessus. Donc, il a dû tomber du nid. Je vais essayer de vous montrer si j'arrive avec la caméra. Le nid, tout simplement. On entend les bébés qui sont en train de chanter à tue-tête. Tu viens, Nono, on va voir. Ouais, je vais essayer de vous montrer ça. C'est pas dit que j'y arrive, mais si j'y arrive. Ouais, bon, on les entend plus en fait. Dommage. Ouais, on les entend plus. Je suis deg. Il est 19h30. Je suis rentrée bredouille de ma sortie avec Nolan. Après, j'ai des idées, mais je suis pas encore tout à fait certaine de moi. Il me reste encore 2 jours pour me décider, donc ça va. Puis de toute façon, plus je prendrai ma décision tard. Et moi, ma mère sera au courant, donc c'est plutôt cool. Hop, je suis en train de commencer à faire à manger. Enfin, j'ai commencé déjà. J'ai fait une quiche avec des lardons et des œufs. C'est tout. Ah, si, j'ai mis de la crème aussi. D'habitude, je mets du fromage râpé. Là, j'ai pas pu en mettre. J'en avais plus. Sauf que j'avais déjà battu mes œufs, enfin, tout mis dedans. Donc, du coup, voilà. Petite quiche. Et là, je vais faire un cordon bleu pour chouchou. Et voilà, j'ai prévu de. Enfin, j'ai pris du pain en passant chez Marie Blacher. J'adore cette boulangerie. Le pain, il est juste succulent. Du coup, on va manger ça et on va prendre des entrées. On va prendre du pâté, pardon, à l'entrée. Je vais y arriver. Et voilà, j'ai pas mal bougé avec Nolan cet après-midi. Elle est restée au parc un petit peu après notre vadrouille. Comme il y avait des enfants, j'ai pas pu filmer. Mais voilà, je vais me rattraper, promis. Ouais, malgré le fait qu'il n'y ait pas de fromage, elle est pas trop mal, hein, ma quiche. Hein. Moi, je la trouve pas mal. Hein. Ouais, bon, on verra pas. Personne verra qu'il n'y a pas de fromage. C'est juste Chouchou et Nolan qui en font la découverte quand ils vont manger. Bon, je vous reprends. Il est 21h07. Je vous ai quasiment pas pris de la journée parce que j'ai beaucoup cherché un cadeau pour ma maman et je pouvais pas trop filmer là où j'étais, en fait j'arrivais pas à sortir la caméra et je voulais filmer avec mon téléphone, sauf que le téléphone, je sais pas pourquoi, ne prenait pas la vidéo, j'ai pas trop compris pourquoi. Puis une fois que m'est venue l'idée de le redémarrer, c'était déjà trop tard, enfin la grosse partie de journée était déjà faite. Et là, mille excuses les cops, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu mes fichiers, du coup j'ai pas de clôture pour cette journée. Bon, la fin de journée n'a pas été plus exceptionnelle que ça, donc ça méritait pas spécialement que je la refasse. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, je monte la prochaine dans la foulée, bisous.